pourquoi tu te laisses brimer, pourquoi tu te laisses opprimer, pourquoi tu te laisses diviser. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses brimer, pourquoi tu te laisses opprimer, pourquoi tu te laisses diviser. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses faire, pourquoi, pourquoi tant de guerre, pourquoi cette misère. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses faire, pourquoi, pourquoi tant de guerre, pourquoi cette misère. Je veux que mon Afrique cesse de se faire piller, de se faire bouffer, de se faire exploiter. Sortons de ce darkness pour un continent soudé, pour plus de paix et d'unité. Histoire montre que l'Afrique très tôt a eu les civilisations les plus évoluées, que ce soit du point de vue scientifique, mathématique, politique et ésotérique. Aujourd'hui encore, l'Égypte n'a pas livré tous ses secrets. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui a stoppé net ce projet? Où du coup on pense à la tête négrière qui a brisé l'Afrique de sa force intellectuelle et ouvrière. Non. Et la colonisation sous prétexte d'apporter la civilisation n'a contribué qu'à l'affaiblissement du continent noir. Pour en faire une réserve aux pitiés, ou plutôt un réservoir. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses brimer, pourquoi tu te laisses opprimer, pourquoi tu te laisses diviser. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses brimer, pourquoi tu te laisses opprimer, pourquoi tu te laisses diviser. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses faire, pourquoi, pourquoi tant de guerre, pourquoi cette misère. Afrique, Afrique, pourquoi tu te laisses faire, pourquoi, pourquoi tant de guerre, pourquoi cette misère. Je veux que mon Afrique cesse de se faire piller, de se faire bouffer, de se faire exploiter. Sortons de ce darkness pour un continent soudé, pour plus de paix et d'unité. Un pacte pour l'émergence. On peut réaliser des œuvres, on peut fabriquer, on peut créer des choses, on peut gérer nos économies financières, on peut gérer les richesses de nos pays, on est père, mes mères et mes frères. On peut le faire si et seulement si on est unis, si on est solidaire et oui sans hypocrisie, si on n'arrive plus à se jalouser pour une religion fragile, sans le pétrole, du bois, du fer ou de l'or. C'est maintenant qu'on doit s'attraper fort et se dire on peut le faire, on peut être ce qu'on veut être, alors on peut se mettre d'accord. Descendre de nous comporter en mendiant, montrons de la maturité dans la gestion de nos acquis, redonnons de la valeur à l'homme ou aux hommes d'Afrique. De tous nos partenaires étrangers, je voudrais leur dire notre engagement à développer des synergies constructives dans le sens nord-sud et sud-sud. Je vous invite à venir partager notre ambition d'un Gabon émergent et soutenir notre processus de